Signor Presidente dell'Accademia dei Lincei, care autorità, cari amici, sono Christian Massé, sono l'ambasciatore di Francia in Italia e vi dico bentornati a Palazzo Farnese. Siamo qui per una nuova edizione dei dialoghi del Farnese, dialoghi che sono stati avviati un po' più di un anno fa, e che sono un punto di incontro tra Italia e Francia e Europa sul dibattito delle idee. E abbiamo cominciato quest'anno con una bellissima serata che abbiamo avuto il 31 di gennaio, una notte delle idee sull'Europa, che quindi è andata molto tardi nella notte, con più di 1000 giovani venendo dalle università romane, e che è stato per noi veramente un momento fantastico di amicizia e anche di energia e speranza per il futuro dell'Europa. Quest'anno, dato tutto quello che abbiamo vissuto, e anche la posta in gioco che abbiamo davanti a noi quest'anno e nel 2019, abbiamo pensato che era necessario, o che fosse necessario, di parlare più di storia, di patrimonio, di sapere, di savoir-faire, ritrovare il senso della storia, che in questo mondo di istantaneità stiamo perdendo, e vedendo che questa perdita ci porta a delle turbulenze, talvolta delle catastrofi, comunque a un andamento del mondo che non è soddisfacente e che alla fine non porta bene per nessuno. E quindi è per quello che abbiamo messo l'accento sulla storia e il patrimonio, e che i nostri incontri italo-francesi si svolgeranno a Roma, Firenze, Milano e Genova durante la primavera. Il patrimonio ovviamente è qualcosa che abbiamo in comune, perché prima il patrimonio è un bene comune, ma anche perché ovviamente Italia e Francia sono due paesi che hanno un grandissimo patrimonio, quindi che è un tema di conoscenza, di restauro e anche di messa in scena per preparare il futuro. E per quello che abbiamo deciso sulla questione del patrimonio di avere un primo incontro su scienza e arte. E questo fa parte anche di un accordo che c'è tra l'Académie des Sciences in Francia e l'Accademia dei Lincei, quindi le due più prestigiose accademie che abbiamo nei nostri due paesi. E parleremo quindi questa sera di arte e chimica. E vorrei salutare e ringraziare il presidente dell'Accademia, professore Giorgio Parisi, che ci dirà qualche parola dopo di me, e anche due eminenti membri di queste prestigiose istituzioni, che sono queste accademie, che sono il professore Adriano Zecchina, professore emerito di chimica all'Università degli Studi di Torino, e Odile Eisenstein, professoressa emerita di chimica presso l'Istituto Charles Guérard di Montpellier. Per completare, diciamo, la visione su arte e chimica, avremo la presenza anche di Loïc Bertrand, che è il direttore del laboratorio Ipanema e che è il rappresentante francese presso l'infrastruttura di ricerca sul Heritage Science, IRIHS. E finalmente
Questa serata sarà condotta da Costantino Doratio, che conoscete perché l'avete visto su Rai 24, Rai News 24, anche l'avete sentito su Radio 2, e che ci fa veramente l'onore quindi di essere il moderatore, scusi, di questa serata. E vi consiglio, perché è un grande specialista di Leonardo da Vinci, e quindi ha scritto un bellissimo libro che si chiama Leonardo Segreto, e che sarà per questo 500° anniversario della morte del grande maestro, che sarà tradotto quest'anno in francese sul titolo Da Vinci Secret. E vi ricordo sempre, per l'arte, il patrimonio, il senso della storia, che il 2 di maggio festeggeremo la celebrazione piuttosto di questo anniversario del 500° anno Leonardo da Vinci, a Amboise e a Chambord, dove ci saranno il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. Grande momento di amicizia italo-francese. Grazie a tutti, grazie della vostra presenza, e adesso, signor Presidente, a voi. Merci. Caro ambasciatore, care autorità, signore e signori, volevo ringraziarvi tutti di essere qui, e volevo ovviamente ringraziare ancora di più tutti gli organizzatori e tutti gli oratori che gentilmente hanno accettato l'invito. Io sono molto contento di questi incontri che sono organizzati dall'Accademia des Sciences francese, dall'ambasciata francese a Roma e dall'Accademia dei Lincei, perché forniscono un'occasione per rafforzare sia i legami scientifici che ci sono fra l'Italia e la Francia, legami che vanno indietro tantissimo, per moltissimo tempo, e che poi sono stati rafforzati anche da vari presidenti dell'Accademia. Pensiamo come Vito Volterra, che era membro dell'Accademia des Sciences, quindi aveva un ottimo rapporto con la Francia. E quello che secondo me è molto importante è anche il fatto che questi incontri siano degli incontri che si rivolgano al grande pubblico, e il motivo è che se specialmente in questi giorni c'è una certa sfiducia nella scienza, e il modo migliore per fare in modo che questa sfiducia venga dissipata è che gli scienziati parlino, si rivolgano al pubblico. So che spesso gli scienziati non considerano questa come missione principale, però è una missione fondamentale se noi vogliamo che la scienza continui col supporto della popolazione. Quindi ritengo che questi incontri rivolti al grande pubblico facciano parte della missione fondamentale della scienza, e volevo ringraziarvi tutti per essere qua, per condividere questa esperienza con noi. Grazie. Quindi adesso chiederò al nostro moderatore e aos intervenants di venire sul podio, e volevo ringraziare sempre la squadra organizzatrice di questi incontri, in particolare Christophe Musitelli, il nostro consigliere culturale, e Florence Ferrand e Tiffany Ziller. Grazie a loro, e adesso il débat est ouvert. Grazie mille. Grazie a voi di essere intervenuti questa sera. Il tema arte e chimica potrebbe sembrare un po' ostico, però vedrete che non lo è affatto, perché i professori che questa sera sono qui con noi, che ci parleranno e che ho avuto la possibilità un po' di conoscere, sono persone
non solo amabili, ma in grado veramente di raccontare quello che, non so a voi, a me ha sempre molto affascinato. Quando per esempio ci sono dei matematici o dei chimici che vedono delle formule fatte di numeri e di lettere scritte sulla lavagna, l'iPad o la lavagna non si usano più, e rimangono estasiati dalla bellezza di queste formule, no? Come fossero delle grandi opere d'arte. Ecco, io non l'ho mai capita questa cosa, quindi in realtà io sono qui questa sera, ma dovrei essere un po' dalla vostra parte, questo sarà un po' il mio ruolo questa sera, cercare di ascoltare e di anche raccogliere tutto quello che da non esperto di chimica loro ci vorranno dire. Prima di dare la parola a loro, abbiamo chiesto loro di fare degli interventi della lunghezza di circa 20 minuti, quindi sarà anche una serata non così, non si dilungheranno neanche tantissimo. Io dovrò fare anche un po' il vigile, voi mi scuserete se a un certo punto darò loro l'indicazione del tempo che sta finendo. Prima di lasciare la parola a loro, però, vi voglio raccontare un piccolo aneddoto che ha a che vedere sul rapporto tra l'arte e la chimica, o direi meglio l'arte e l'alchimia. Non so se siete mai stati a visitare il Casino Boncompagni Ludovisi, che si trova vicino via Veneto oggi, qui a Roma. Allora, all'interno del Casino Boncompagni Ludovisi c'è al primo piano un piccolo stanzino che era il gabinetto alchemico del cardinal Francesco Maria del Monte, perché alla fine del Cinquecento l'alchimia, la chimica, non era una cosa soltanto per specialisti, ma anche un cardinale appassionato di musica, appassionato di pittura, poteva dilettarsi in alchimia. Chiede il cardinale al Caravaggio, giovanissimo artista ancora sconosciuto quasi a Roma, di dipingere il soffitto di questo salone, di questo piccolo gabinetto, di questo stanzino. Chiede di dipingere l'allegoria dei quattro elementi, quelli che il cardinale utilizzava per i suoi esperimenti alchemici. Caravaggio realizza un'allegoria molto, diciamo, ordinaria, molto assolutamente nei canoni, utilizzando, dipingendo Giove per il fuoco, Plutone per la terra, Nettuno per l'acqua e un globo terrestre al centro, un globo universale al centro per l'aria. Solo che quando il cardinal Francesco Maria del Monte entra alla fine del lavoro di Caravaggio all'interno di questo stanzino, si accorge di un piccolo trucco o di un piccolo scherzo che Caravaggio aveva inserito all'interno di questo dipinto, perché nelle tre divinità si riconosce l'autoritratto di Caravaggio, nudo, esattamente come la mamma l'aveva fatto. Quindi se voi entrate all'interno di questo stanzino oggi potete rivedere il volto, non soltanto il volto di Caravaggio, che si era dipinto lì assolutamente non autorizzato. Allora questo io ve lo racconto, non solo perché vi invito ad andarlo a vedere, ma perché effettivamente quella che è una materia che magari ci può risultare veramente molto ostica, come la chimica, dagli artisti nel passato è stata anche trattata con grandissima leggerezza. Ed è un po', secondo me, il tema che unirà lo stile dei racconti di questa sera. Quindi passo subito la parola alla professoressa Odile Eisenstein, che è una esperta, qui devo un po' leggere perché ci sono termini che io conosco poco, è una chimica teoretica, specializzata nella modellazione della struttura e della reattività di transizione dei metalli e dei lantani di complessi. Speriamo che non utilizzi tutte queste parole così un po' ostiche stasera, ma soprattutto, e con questo le do la parola, è stata la prima donna ad entrare, la prima chimica ad entrare all'interno dell'Accademia delle Scienze nel 2013. In Francia, e per questo insomma merita, credo, un applauso, diciamo, iniziale sulla fiducia. Professoressa, a lei la parola. La professoressa Eisenstein e il professor Bentrand parleranno in francese, e se non l'avete ancora presi ci sono
le cuffie per avere la traduzione in italiano. Non ce n'è più. Ah, sono finite. Va bene, cercate di interpretare se non le avete. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le président de l'Académie dei Licei, de cette idée merveilleuse organisée avec l'Académie des sciences en France, ces dialogues à la Villa Farnèse. C'est aussi pour moi la première fois que je rentre dans ce merveilleux bâtiment et je suis heureuse que ça soit la plus belle ambassade de France, ou la plus belle ambassade du monde. Je vais essayer de vous montrer en tant que amateur d'art et non pas actif dans l'art, ce que je vois comme en tant que chimiste. Pourquoi y a-t-il effectivement un dialogue entre l'art et la chimie? Et mon titre est codé « Art et chimie, chimie et art ». Et vous verrez pourquoi. Il y a un dialogue réel entre les deux. Nous allons d'ailleurs retrouver d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle l'art et la chimie sont totalement liés. Cela a été défini par Berthelot au siècle, au 19e siècle. La chimie crée son objet, et donc cette facilité créatrice est semblable à l'art lui-même et le distingue des autres sciences. Donc, définition déjà, tous les deux créent un objet. Il est intéressant de remarquer que Vincent Van Gogh lui-même regrettait de ne pas connaître assez de chimie parce qu'il trouvait qu'il avait du mal à mélanger ses couleurs. Quand il dit un tripotage de couleurs, ça veut dire qu'il n'arrivait pas bien à savoir comment les couleurs réagissaient l'une avec les autres. Faire de la chimie pour un artiste est donc peut-être nécessaire. Revenons à l'origine du mot chimie. En fait, le mot chimie, une des suppositions, est que cela vient de l'Égypte et cela désigne en fait le sol noir du Nil. Vous retrouverez le noir plusieurs fois dans cette conférence. Les premiers alchimistes, en particulier Marie la Juive et Zosime, trouvaient que les couleurs, le changement de couleur, était une bonne façon de savoir si quelque chose se passait. C'est tout à fait vrai, c'est encore moderne. Mais à cette époque-là, ils ne voyaient que quatre couleurs, le noir, le blanc, le jaune et le violet, qui, je crois, représentaient probablement les quatre éléments à l'époque. Donc, de toutes les façons, ce qui est important, c'est qu'un artiste ne peut pas créer de manière abstraite, il va créer avec des objets, avec des matériaux de son époque, il va soit utiliser des matériaux naturels, soit il va former de nouveaux matériaux, c'est bien de la chimie. La chimie a un autre pouvoir, la chimie ne crée pas uniquement son objet, la chimie peut analyser un objet. En tant qu'analyste, il peut donc authentifier des œuvres, il peut donc les rénover. Je ne souhaite pas en parler aujourd'hui, c'est un élément très important, mais cela me paraît beaucoup plus intéressant de passer notre temps, ces quelques minutes ensemble, à essayer de rentrer dans l'esprit de l'artiste en essayant de comprendre comment il a travaillé. Quelque chose qui est très étonnant, si on en revient vraiment maintenant au début de l'humanité, c'est de voir qu'en fait, personne ne sait exactement comment ont été faites les peintures à ce niveau-là. Demandez à votre enfant d'aller à la campagne, de ramasser des couleurs et d'essayer de les fixer sur un mur. Aucun n'arrivera à fixer ces couleurs sur le mur. Comment ces couleurs sont restées, ont résisté au temps? Ils sont encore avec nous et quelque chose de mystérieux. Autant que j'ai compris, personne ne connaît les liants et la façon dont cela a été mis sur les murs et quelle est vraiment la nature des pigments eux-mêmes. Donc c'est encore un mystère, je crois que d'autres en parleront. Quelque chose qui est intéressant à regarder, je vais vous montrer plusieurs exemples et vous montrer la diversité de la manière dont la chimie et l'art se sont mêlés. L'art n'est pas nécessairement sur un objet inerte, l'art peut être également sur un être humain. Tous les Égyptiens
portaient du kohl autour des yeux. Ils disaient qu'ils étaient ainsi protégés par Horus, qui est donc représenté effectivement par un œil bordé de noir. On peut donc se poser le problème, était-ce uniquement pour des raisons de beauté artistique ou est-ce que cela avait une autre fonction? Il est intéressant aussi de noter que l'ensemble des personnes, qu'elles soient riches ou pauvres, qu'elles soient pharaons ou porteurs d'eau, suscitent la représentation d'un porteur d'eau au Louvre portait ce kohl. Avait-il donc une fonction particulière? Donc uniquement en 2010, deux chimistes et leur équipe ont décidé de comprendre quelle était la nature de ce kohl. Ils ont trouvé que c'est composé de dérivés de plomb. Quand on vous dit plomb, vous pensez immédiatement au poison, n'est-ce pas, tous? Et évidemment, on va se poser le problème. Il y a en fait quatre composés dans ce kohl. Deux composés naturels, qui sont indiqués en bleu, qui existent dans la nature, et deux composés artificiels qui étaient faits par eux à cette époque. Pourquoi donc avait-il besoin de rajouter des composés artificiels à des composés naturels qui étaient déjà noirs et blancs? On peut se poser le problème. Quand on regarde maintenant la composition de ces différents composés, on s'aperçoit que uniquement le non naturel, la laurionite, est soluble dans l'eau. Tous les autres sont insolubles. Pourquoi a-t-on besoin d'un composé soluble dans l'eau? Quelle est sa fonction? En fait, effectivement, soluble dans l'eau va vous apporter une fonction extrêmement importante. Rappelez-vous que ce kohl est autour de vos yeux. Les yeux ont effectivement un liquide lacrymal qui vont légèrement solubiliser le seul composé soluble dans l'eau. Vous êtes en train donc de voir que ce corps de ces Égyptiens allait absorber du plomb. Et vous dites, mais c'est un poison. De manière assez incroyable, le composé était juste suffisamment peu soluble pour que très peu de plomb rentre dans le corps humain. Et il a été montré par deux chimistes qu'effectivement, le plomb rentrant dans ces quantités-là avait un effet antibiotique. C'est l'équivalent, effectivement, il attirait, pour les biologistes, il attirait des macrophages, il empêchait les infections des yeux. Rappelons-nous que les Égyptiens vivaient tous dans des régions très humides où les infections des yeux étaient très fréquentes. Donc, il y avait quelque chose qui a été un plus dans ce kohl et ils en portaient tous. Il est étonnant quand même que les Égyptiens aient découvert cette fonction, mais ils l'ont fait. On ne peut pas être en Italie sans parler de Léonard de Vinci, surtout en cette période. Il y a quelque chose de remarquable dans cette peinture que vous connaissez bien toutes, parce que nous allons regarder non pas la peinture dans son ensemble, mais un aspect très particulier de cette peinture. Cette peinture a un dégradé qui se passe du nez vers les cheveux, que ce soit dans le haut ou vers le bas, qui s'appelle le sfumato. Et on peut se penser, qu'est-ce que c'est que ce sfumato? Ce sfumato est simplement le fait qu'il n'existe aucun trait visible et que le dégradé est totalement invisible, il est transparent. Pensez que la peinture, c'est quelque chose de non transparent. Peut-on devenir transparent en utilisant quelque chose de non transparent? Pour le faire, il faut analyser le tableau. Inutile de vous dire que nous n'allons pas aller faire un trou dans la Joconde. Nous allons utiliser, nous les chimistes, on utilise des méthodes non invasives. Et effectivement, en 2010, il existait des méthodes physiques qui allaient permettre de s'approcher de la Joconde sans la toucher. Et il est alors possible d'examiner exactement ce qui se passe à un endroit du tableau. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé quelque chose d'assez extraordinaire. On a trouvé que Léonard de Vinci était un maître de la nanotechnologie. La nanotechnologie, maintenant, tout le monde en parle.
Léonard de Vinci était un génie, il faisait de la nanotechnologie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait utilisé en fait quatre couleurs. Du blanc, du rose, une espèce de peinture noire et un vernis. Il avait fait des couches excessivement fines qui sont plus fines chacune que le cheveu. Il y a donc 20 couches qui vont se superposer lorsque l'on va aller du nez vers le cheveu. On va commencer par des couleurs claires et on va ajouter peu à peu, enfin Léonard de Vinci a ajouté peu à peu, des éléments des autres couleurs, de façon à passer du clair vers le foncé. Il y a 20 couches, chacune étant plus fine qu'un cheveu. Pour pouvoir le réaliser, il fallait attendre séchage. Ces tableaux duraient 4 ans ou plus. On comprend ainsi pourquoi il fallait tellement de temps à Léonard de Vinci pour réaliser ces tableaux. Ce même sfumato a été retrouvé dans d'autres tableaux qui sont nommés ici, toujours la même technique, des couches excessivement fines, superposées, de diverses couleurs, pour aller sans trait visible du clair vers le foncé. Et c'est effectivement été remarqué par les gens à l'époque, je suis désolée, je ne sais pas qui est Lomaso, je n'ai pas eu le temps de le trouver, qui disait qu'il avait réussi à faire des membranes translucides. Encore une fois, le mot est magique, avec de la peinture opaque, vous faites de la transparence. On va un petit peu sauter dans les époques, on va aller maintenant à la fois vers le moderne et on va revenir vers l'ancien. Les gens veulent se faire effectivement la découverte d'une nouvelle couleur et quelque chose de magique. Et il y a un peintre français, Yves Klein, qui a décidé de s'approprier une couleur qui s'appelle le International Klein Blue. Je n'ai pas réussi à trouver ce que c'est, mais c'était la couleur qu'il utilisait dans tous ses tableaux et il en a fait un brevet. Donc c'était sa couleur, elle était magique puisque bien sûr, elle permet de représenter à la fois le ciel et la mer. Y a-t-il d'autres bleus et comment ont-ils été faits? Je trouve fascinant cette étude des bleus égyptiens et des bleus chinois, parce qu'on va se rendre compte qu'avec de la chimie excessivement simple, on va retrouver des couleurs totalement magiques qui vont évoluer chacune d'une manière différente. Il existe donc en effet un bleu égyptien, il existe un bleu chinois et il existe un pourpre chinois. Chacun a une composition très particulière qui est maintenant bien connue. Peut-on se demander à cette époque, parce que nous sommes vraiment à l'époque, des pharaons, comment est-ce que des gens à l'époque faisaient de la chimie? Regardons les ingrédients qu'ils utilisaient. Excessivement simple, ils utilisaient de la malachite, qui était naturelle, ils utilisaient du sable, qui était naturel, et ils utilisaient deux produits de type blanc, l'un simplement du carbonate de calcium, totalement naturel. Ça, c'était en Égypte, et il y avait un autre dérivé du barium qui était utilisé en Chine. Et à partir de ce mélange en chauffant, on obtenait le bleu égyptien et le bleu chinois. Le fait qu'ils l'aient trouvé est étonnant. Combien de temps ont-ils mis? Personne ne sait. Mais on a obtenu des couleurs stables. Intéressant. Un autre point intéressant, c'était qu'il y avait une propriété particulière au bleu chinois qui n'existait pas pour le bleu égyptien. En mélangeant le bleu chinois et en le chauffant en présence d'un autre produit qui était naturel, l'oxyde de cuivre, on arrivait en fait à le faire venir violet et on pouvait même le faire devenir très violet allant jusqu'au rouge. On avait donc une palette. On a regardé en fait quelle est l'étendue de l'occupation du bleu égyptien et quelle est l'étendue de l'occupation du bleu et du pourpre chinois. On regarde les époques, le bleu égyptien est avant le bleu chinois. On peut se poser le problème, et je ne connais pas la réponse, d'après l'article elle n'est pas connue, est-ce que le bleu chinois est passé chez le bleu égyptien est passé chez les Chinois, puisque les routes étaient déjà connues à l'époque? On ne le sait pas, mais le fait est que c'est une question tout à fait pertinente. En quoi les deux se sont parlé?
où est-ce qu'on trouve ces bleus? Du côté égyptien, on va le retrouver dans cette fameuse statue de Néfertiti, qui est dans le musée de Berlin, où effectivement la couronne est pure bleu égyptien. Et du côté chinois, c'est plus difficile, c'est beaucoup moins stable. On va le retrouver dans ces soldats de terracotta soldats, de warriors, dans lesquels on a trouvé des traces, effectivement, de la couleur pourpre. Elle est relativement peu stable, mais elle a pu être trouvée. Il existe un autre bleu sur un autre continent qui, à cette époque-là, n'avait pas été découvert, qui est cette fois-ci le bleu maya. Chez les mayas, il y avait beaucoup, beaucoup de végétation. On n'allait donc pas aller vers le minéral, on allait aller vers une plante. La plante s'appelle l'indigo. C'est l'indigo naturel qui est maintenant remplacé dans vos habits bleus par de l'indigo artificiel. Cette molécule est extrêmement peu stable. Si elle est peu stable, il va falloir la stabiliser, autrement elle va se décomposer tout de suite. Et ils ont trouvé qu'effectivement, en mélangeant cette molécule qui vient d'une plante avec un minéral complètement naturel, ils ont réussi à stabiliser la couleur. Ça a été d'ailleurs trouvé dans une collaboration, l'étude a été faite, une collaboration avec l'université de Torino, et cela me fait beaucoup plaisir donc d'en parler ici. J'ai presque fini. Voici en fait quelque chose qui maintenant pour les chimistes est parfaitement connu. C'est effectivement une inclusion d'une molécule organique dans une molécule inorganique. Les chimistes en font maintenant quotidiennement, en le sachant, mais à cette époque-là, ils l'ont fait. Je voudrais maintenant simplement changer un tout petit peu d'angle et vous montrer que la chimie est également belle. Et vous allez voir, on va prendre un atome, on ne va pas en prendre beaucoup, on va prendre le carbone. Le carbone, qu'est-ce que vous savez du carbone? Il existe dans vos mines de crayon, c'est le graphite, il est noir. Il existe dans le diamant, c'est la même, c'est le carbone également, c'est une autre forme. Il est transparent, il est merveilleux. L'un est pas cher, l'autre est assez cher. Mais en fait, il existe d'autres formes du carbone, que du carbone, pas d'autre chose que du carbone. Cette molécule a été trouvée dans l'espace avant d'être synthétisée sur notre planète par des chimistes, et elle a pris son nom d'un architecte. Ce dôme géodésique a la même forme que cette molécule et s'appelle donc le Buckminster Fullerène, du nom de l'architecte Buckminster Fuller. Et les trois chimistes qui l'ont trouvé ont eu le prix Nobel. Mais puisqu'on sait faire maintenant des formes de carbone, on en a trouvé trois, on peut en faire beaucoup plus. Ça, c'est ce qu'on appelle des nanotubes de carbone. C'est simplement une variation, si vous voulez, du graphite, mais avec d'autres propriétés. Et cela conduit à des choses assez merveilleuses. Et regardez ces objets, non pas en tant que chimiste, mais en tant qu'artiste, ils sont beaux. Ils sont simplement beaux à regarder. Vous pouvez empiler ces couches. Et qu'est-ce que c'est, ces couches empilées? Ces couches empilées sont en fait rien d'autre que le fameux Vanta Black de Amish Kapoor, qui est utilisé également parce que c'est une peinture qui absorbe complètement la lumière pour couvrir les avions furtifs qui ne veulent pas être détectés. Donc c'est une variation, c'est une couleur qui rend l'objet invisible à la détection et qui a été utilisée par Amish Kapoor. Voici un exemple de peinture avec le Vanta Black, vraiment noir, noir de noir. Et voici un contraste, une peinture faite avec du noir également par un artiste français, Pierre Soulages, qui, lui, veut utiliser le noir pour créer de la couleur, en général, donc, plutôt argenté ou doré. Deux utilisations de noir totalement différentes. Une forme qui ne sert à rien, mais qui est merveilleuse, ça s'appelle un cube, en chimie. Ça a été très difficile à synthétiser, parce que c'est simplement pas naturel pour le carbone d'avoir cette forme. Tout le monde connaît le cubisme. Le cubisme est un peu plus connu que le cube, en chimie. Mais c'est pas grave. Certains chimistes ont des rêves artistiques.
Ce chimiste a créé la chimie moderne avant même de connaître la théorie des atomes, en pensant à un serpent de la théorie gnostique. Pourquoi pas ? Encore un autre art. Finalement, je voudrais finir par la plus belle molécule de toutes, fait simplement de très peu d'éléments, carbone, azote, oxygène, hydrogène, avec un peu de phosphore. C'est la double hélice. Elle est superbe, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'elle est dans la réalité ? C'est l'escalier de Chambord, qui est également une double hélice, et qui a été créé par Léonard de Vinci. Ne peut-on pas voir plus de relations entre l'art et la science qu'en regardant cette double hélice et cet escalier ? Avec ceci, je souhaite vous remercier et remercier les amis qui m'ont expliqué toute leur réalisation. Et avec ceci, j'espère que vous aurez trouvé l'impression que l'art et la chimie vont bien ensemble. C'est un mariage heureux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Grazie mille, professoressa. Non deve essere affatto facile scegliere gli argomenti di cui parlare all'interno di questo enorme mondo, no, della chimica rispetto all'arte. E non so se avete notato, poi avremo occasione alla fine dei tre interventi anche di provare anche a creare un piccolo confronto. Ci sono delle parole che la professoressa ha ripetuto più volte, a parte il fatto che mi ha affascinato il fatto che chimici così alti vanno a studiare il trucco degli occhi delle donne egiziane, mi sembra una cosa meravigliosa. La stabilità del colore, la magia del colore e quindi l'idea che la chimica ha a che vedere anche con il tempo. Tra di voi ci sono anche molti restauratori e credo che questo sia un argomento che poi varrà la pena anche un po' approfondire. Quanto l'intervento chimico nella creazione di un colore sia fondamentale per garantirne la stabilità. Di questo tema in particolare si è occupato anche il prossimo nostro relatore, il professor Loïc Bertin, che vi dico solo un dato, coordina 117 laboratori e istituzioni che fanno parte di questa infrastruttura dedicata alla scienza del patrimonio e il suo punto di vista questa sera, da quello più teorico della professoressa Eisenstein, sarà più legato alla chimica della materia, degli oggetti che provengono dalla nostra storia. Prego. Bonsoir. Alors, je tiens tout d'abord à remercier l'ambassade de France et l'Accademia dei Lincei, ainsi que l'Académie des sciences pour ces merveilleux événements. Je vais commencer ma présentation en racontant deux histoires de travaux de recherche récents. Et puis, je finirai sur un événement assez important qui s'est tenu à l'Académie des sciences à Paris, et qui visait justement à faire un point sur le développement des sciences du patrimoine et là où on va d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, dans ce champ des sciences du patrimoine. Mais tout d'abord, quelques mots sur l'endroit où je travaille, et également pour montrer un petit peu le très fort développement que l'on a eu en sciences du patrimoine ces dernières années. Alors ce que vous voyez ici, ça s'appelle un synchrotron, c'est une source de lumière qui permet notamment de mettre en œuvre ou d'obtenir des rayons X. On verra aussi des rayonnements infrarouges et des rayonnements ultraviolets pour l'étude de la matière. Ce synchrotron, vous en avez un certain nombre dans le monde, typiquement une cinquantaine de dernière génération, un en Italie notamment. Vous en avez deux en France, celui-ci et celui qui est situé dans la région parisienne. Et le laboratoire que vous voyez ici, c'est une originalité, c'est un laboratoire qui travaille uniquement sur le domaine du patrimoine culturel. Donc, comment se fait-il déjà que sur un grand instrument qui est utilisé pour des problématiques de sciences des matériaux très diversifiées, pour travailler sur les sciences de la vie, pour travailler sur les sciences de l'énergie, pour travailler sur les sciences de l'univers, etc.
Vous voyez que déjà on a des développements importants en fait sur ces thématiques patrimoniales, sur des instruments qui sont quand même assez emblématiques de la recherche sur les matériaux. Mais depuis l'établissement en fait du laboratoire, d'autres dispositifs dont je vous dirai quelques mots et qui ont été brièvement évoqués à l'instant ont été mis en place, et notamment on travaille beaucoup avec l'Italie, mais également avec une quinzaine de pays européens sur la mise en place d'une infrastructure, c'est-à-dire un outil qui serait utilisé par les équipes au niveau international pour pouvoir caractériser des matériaux du patrimoine en utilisant les instruments qui sont disponibles dans les différents pays européens. Donc un effort concerté sur lequel je reviendrai en quelques mots par la suite. Également d'autres réseaux au niveau régional ou national. Le laboratoire que je viens de vous montrer, en fait, ne travaille pas sur un type de matériaux du patrimoine particulier. Il travaille sur des matériaux diversifiés, donc vous en avez quelques exemples ici, portant sur des travaux qui ont été réalisés au laboratoire et qui vont depuis des matériaux de la peinture, quelle que soit la période historique. Donc on est dans une démarche de science des matériaux qui est un petit peu différente de celle de la structuration des laboratoires qui vont travailler en sciences humaines, qui vont souvent travailler sur une typologie d'objets donnés ou sur une période donnée. On va également travailler sur, vous voyez ici, des instruments de musique, des objets archéologiques et ou bien un certain nombre d'objets paléontologiques. Alors je vais prendre quelques exemples, en fait deux exemples, et vous montrer un petit peu comment le développement d'un certain nombre de méthodes nous permet d'avoir une meilleure compréhension de certains de ces objets, y compris dans des cas où l'on pensait ne être vraiment bloqué scientifiquement. Le premier cas, la première histoire que je vais vous raconter se passe ici. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le Pakistan avec l'Inde qui est ici, l'Afghanistan, et notamment ici, dans la ville de Mergar, vous avez ici la vallée de l'Indus, et en fait, toute cette zone a joué un rôle extrêmement important au 7e, 6e, enfin, il y a 7000 ans, 6000 ans, 5000 ans, et jusqu'à il y a quelques milliers d'années, dans le développement de la technologie que nous utilisons encore aujourd'hui. La première attestation, par exemple, de l'utilisation du coton vient de Mergar. La première attestation également d'une opération de dentisterie, donc d'un traitement d'une carie dentaire, vient de Mergar. Également des innovations extrêmement importantes en termes de métallurgie ou de procédés céramiques. Ce qui pose d'ailleurs des questions que je n'évoquerai pas ce soir. Comment se fait-il qu'une aire géographique puisse concentrer autant d'innovations aussi fondamentales pour l'humanité? Est-ce qu'il s'agit d'un savoir-faire particulier, d'une organisation de la société, d'échanges déjà interdisciplinaires entre un certain nombre de personnes ayant des compétences différentes, ou d'une manière de pouvoir archiver un savoir historique? Ce sont des choses qui sont aujourd'hui travaillées par les équipes d'archéologie. Donc, le premier objet dont je vais vous parler, c'est cette petite amulette que vous voyez ici. C'est un objet qui fait 2 cm de diamètre, dont vous voyez qu'il est tout corrodé, et qui est un objet qui a été fabriqué en cuivre et qui a été trouvé il y a 25 ans dans des fouilles qui se situent, vous voyez, dans des niveaux très profonds. On parle d'objets qui datent d'il y a 6000 ans. On est vraiment dans les tout premier temps, en fait, d'une métallurgie avancée du cuivre. Et à cette époque, en fait, ainsi que dans deux autres zones dans le monde, dans les Balkans et aujourd'hui en Israël, est inventé un procédé métallurgique qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle la fonte à la cire perdue, en anglais lost wax casting, qui est l'équivalent d'un point de vue procédé de ce que Odile montrait il y a quelque temps, quelque chose finalement d'extrêmement simple, mais auquel il fallait penser, qui consiste à produire un modèle en cire, à mettre ce modèle en cire dans un moule, dans de la terre, à chauffer la terre pour évacuer la cire, et puis à couler du métal pour avoir une forme.
C'est en fait absolument révolutionnaire, à la fois par la capacité d'obtenir des objets d'une forme complexe, mais également parce que ça va donner lieu en fait à tout ce qui est la statuaire métallique, des représentations des divines, enfin religieuses, des représentations également anthropomorphes ou d'animaux. Mais revenons à l'objet qui nous intéresse. Parmi la série d'objets que je vous ai montré, il avait été décidé de sacrifier un de ces objets pour essayer de comprendre précisément comment il avait été fabriqué. Pour savoir que c'est de la fonte à la cire perdue, on n'a pas besoin d'analyse chimique très avancée, il suffit de voir la forme et de comparer par rapport à l'avancement des techniques. Et on savait qu'à cette période-là, faire un objet avec une forme qui présente une forme 3D complexe ne pouvait être obtenu qu'à partir de ce procédé, qui plus est, qui par la suite a continué de se développer dans cette même ère géographique. Mais ce qui nous intéressait, c'était de comprendre la métallurgie. Quel minerai, quel procédé, quelle température, comment est-ce que cet objet avait été généré. Le problème, et vous le voyez tout de suite ici, c'est que c'est un composé qui a été évoqué tout à l'heure, on est en présence de cuprite, c'est-à-dire d'oxyde de cuivre. C'est ce que vous voyez ici, rouge absolument partout, sauf à l'endroit où vous avez des produits de corrosion du chlore. Et l'objet est complètement corrodé. Il est complètement rouillé, au sens où ça n'est plus du cuivre. Donc si vous allez au musée, il est marqué comme objet en cuivre, mais en fait, c'est un objet semi-conducteur. C'est un oxyde. Donc, dans ce genre de situation, en fait, les archéologues ne sont pas en mesure de déterminer le procédé métallurgique parce que ça nécessiterait une analyse fine, en fait, des restes métalliques dans l'objet. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que lorsque l'on regarde en microscopie, vous voyez ces trous ici, ça n'est pas des trous, en fait, c'est des dendrites, espèce de sapin de Noël qui se forme lors de la solidification de l'alliage. Et ce que vous voyez ici, c'est que entre ces dendrites, en fait, on a des grands espaces. Donc vous en voyez ici, vous en voyez là. Et ces grands espaces entre les dendrites sont la signature typique d'un alliage. Donc on va avoir ségrégation en fait entre le cuivre et une autre phase qui va contenir une partie de ces éléments d'alliage. Le problème, c'est que lorsque l'on regarde cet objet, il est totalement, purement en cuprite. C'est presque un monocristal, tellement il est pur en cuprite. Il y a néanmoins un certain nombre d'éléments traces qui sont présents en toute petite quantité, un tout petit peu d'argent, un tout petit peu d'or, un tout petit peu de plomb, ce qui, d'ailleurs, je n'en parlerai pas, mais atteste probablement de l'utilisation d'un cuivre météoritique donc pour la fabrication de cet objet. Mais la question était la suivante, comment comprendre le fait que vous ayez à la fois la signature d'un alliage et en même temps pas d'éléments d'alliage, alors que les éléments d'alliage, même au fur du temps, vont rester généralement dans des objets très anciens comme celui-là. Alors la réponse en fait a été apportée non pas par ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui a été fait à partir d'analyses de rayons X, mais par l'utilisation d'une approche qui a également été développée sur synchrotron et en laboratoire, et qui repose sur la photoluminescence. Donc la photoluminescence, c'est comme ici, envoyer de la lumière UV et collecter de la lumière visible. Comme ici, vous voyez une émission dans le bleu, et cette émission dans le bleu, elle va signer en fait à la fois la nature du matériau que l'on étudie, mais également un certain nombre d'impuretés. Et vous voyez par exemple ici des variations en fait de cette luminescence qui vont aussi venir de la présence d'un certain nombre d'impuretés. Donc, que se passe-t-il en fait Donc, on avait travaillé au laboratoire, et j'y reviendrai par la suite, pour essayer d'avoir des images de luminescence sur des grands objets. C'est un petit peu le contraire de ce qu'on fait d'habitude. Aujourd'hui, la course est d'aller à nano-échelle, à toute petite échelle. Là, nous, on s'intéressait à pouvoir étudier des objets réels qui sont centimétriques, tout en gardant une haute résolution. Donc, on part d'une partie d'objet, et puis on regarde sa luminescence pour essayer de comprendre. La cuprite est un semi-conducteur, donc c'est un composé qui va luminescer, et donc on s'intéresse à voir si ce signal de luminescence va donc nous apporter des informations sur la composition. Et là, on voit effectivement que partout où vous avez du rouge ici, vous avez effectivement un signal de luminescence. Donc vous avez bien de la lumière qui est renvoyée. Là, ici, on va exciter dans le visible,
et on va collecter dans le proche infrarouge, donc juste après le visible, en allant vers la plus basse énergie. Et donc, vous voyez qu'on a bien un signal qui est émis. Et la grande surprise, ça a été de voir qu'en fait, ce signal, il n'était pas homogène. On avait une très belle signature, et cette signature, en fait, elle est très surprenante parce que vous êtes en présence de quelque chose qui est complètement corrodé, qui est complètement homogène. C'est de la cuprite. Donc, pourquoi voit-on ça? Alors, la réponse, en fait, elle vient du fait que ce que vous voyez ici, c'est la signature, en fait, qui a été d'une étape du procédé métallurgique, en fait, lors de la solidification. La solidification s'est faite avec deux phases. L'une qui est du cuivre, l'autre qui est déjà de la cuprite. Le cuivre, par la suite, au cours de milliers d'années, s'est transformé en cuprite. Donc, à la fin, vous n'avez plus que de la cuprite. Mais néanmoins, les deux cuprites ont une histoire différente. Donc, ça rejoint ce qui était dit précédemment. On s'intéresse à l'histoire des matériaux. Et là, on va retrouver cette histoire des matériaux comme signature d'un procédé métallurgique. Ce que vous voyez ici, c'est à nano-échelle. Donc, vous avez préservation dans cet objet tout rouillé d'une signature qui est à nano-échelle. La corrosion, c'est pas, comme on pourrait le penser, une évolution du matériau qui fait que le matériau devient n'importe quoi. Et en particulier dans ces environnements très stables dans lesquels l'objet a été trouvé, on voit que sur des milliers d'années, on a eu une réaction chimique extrêmement précise finalement qui a mené à ce que cette signature soit encore visible. Et alors partant de là, en comparant, ces morphologies sont très connues, on peut tirer des informations extrêmement précises. On peut quasiment à un degré près identifier à quelle température il a fallu chauffer le cuivre pour obtenir ce métal. On sait quelle était la pureté initiale du métal. On sait donc un cuivre extrêmement pur, donc natif, a été utilisé. On sait à quelle température la solidification a eu lieu. Donc, je voulais montrer ce premier exemple pour montrer à quel point, sur un objet sur lequel on peut penser que, en gros, on ne trouvera plus rien, on est encore aujourd'hui capable d'avoir des découvertes surprenantes qui font que d'un seul coup, tout un pan de cette histoire apparaît. Deuxième exemple, qui porte sur un exemple de peinture. Alors, vous voyez ici quelqu'un qui a été très inspiré par Mondrian, qui est un ami de Mondrian. Donc, c'est des travaux qu'on développe avec le Rijksmuseum à Amsterdam. Sous illumination UV, vous voyez que ce tableau, quand il est illuminé, il montre différentes lumières vertes. Il s'agit en fait du même phénomène que ce que j'ai montré avant, de luminescence. On est avec du blanc qui est de l'oxyde de zinc, ZNO, et vous voyez ici trois luminescences différentes. Donc, les équipes qui ont constaté ça, simplement par éclairage de l'œuvre, se sont posé la question, est-ce qu'on utilisait des pigments différents? Est-ce qu'on a utilisé des liants différents? Est-ce que ce sont l'amorce de phénomènes de dégradation? Donc ça, c'est des résultats tout récents que l'on vient d'obtenir, et vous voyez que ce qu'on est aujourd'hui en mesure de faire, c'est d'identifier chaque grain de pigment indépendamment dans la couche, et de regarder sa luminescence. Alors, ce que vous voyez, c'est en fait assez amusant, c'est quelque chose qu'on avait déjà constaté, c'est que vous avez ici des grains, c'est la même composition, mais ils vont en fait avoir des émissions différentes, liées de la même manière à l'histoire, mais cette fois-ci à une histoire beaucoup plus courte probablement, qui est l'histoire de la fabrication de ce pigment. Et ça, on le voit très bien en prenant des poudres pures de pigments anciens, et vous voyez que vous avez de la même manière des grains qui vont avoir une émission à des émissions différentes. Alors c'est d'ailleurs amusant parce que ce que vous voyez ici, c'est de la même manière trois lots de pigments d'oxyde de zinc totalement blancs. Si vous les analysez et que vous cherchez la composition, c'est que du zinc et de l'oxygène. C'est des pigments pratiquement purs. Et vous voyez néanmoins qu'à travers un certain nombre en fait de défauts dans ces petits cristaux de pigments, on peut avoir quand même des signatures très très différentes. Et en fait, on a ici deux procédés qui sont à peu près similaires. Ici, un autre procédé. À l'époque, au début du XXe siècle, on a vraiment deux procédés de fabrication, l'un développé en France, l'autre développé aux États-Unis, avec vraiment deux modes de fabrication totalement différents de ce pigment. Et c'est ce qu'on retrouve ici.
On peut même s'intéresser à aller regarder à nano-échelle et à aller regarder un grain de pigment et à aller regarder de la même manière sa luminescence. Et vous voyez que ce qu'on a vu ici comme un point unique, en fait, ce qu'on voyait ici en disant, voilà, il y a un point qui aujourd'hui, enfin, en fausse couleur, apparaît rouge, un point qui apparaît bleu, un point qui apparaît vert. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que c'est un petit peu plus compliqué. Et pourquoi ça nous intéresse, en fait, de descendre à cette échelle-là? Parce que ce qui nous intéresse, c'est de regarder la manière dont le pigment va interagir avec le liant. Donc, le pigment est dans un liant organique, le pigment minéral. Et en fait, on va avoir une interaction entre le liant et le pigment. Vous connaissez tout ça. Je vais vous montrer un exemple qui vous va tout de suite vous parler par la suite. Et donc, cette réaction-là, en fait, va mener à la dégradation des peintures. Vous le verrez si vous allez dans les musées et que vous faites un petit peu attention. De temps en temps, vous avez des efflorescences blanches, des petites amas blancs à la surface des tableaux, qui sont le résultat de cette interaction entre liant et pigment et qui sont en fait nettoyé par les restaurateurs. Alors c'est quelque chose que vous connaissez particulièrement bien parce que ça se forme sur le chocolat. Le chocolat, c'est la même chose. Vous avez beaucoup de magnésium et en même temps, vous avez des corps gras qui sont les mêmes types de corps gras que ce que vous allez trouver dans une peinture. Et ce que vous voyez former quand le chocolat n'est pas très bien, a été un peu chauffé, c'est de la même manière ces produits qui sont en fait des savons. Donc, quand vous mangez, on vous dit que c'est très bon, c'est pas si bon que ça en fait, mais enfin d'un point de vue gustatif, mais c'est surtout du savon en fait, c'est des savons de magnésium que vous mangez sur le chocolat. Et là, ce que vous voyez tout à l'heure, c'était des savons de zinc en fait. Et donc, ce qui nous intéresse nous, c'est notamment de mieux comprendre la réaction entre ces petits grains de pigments et ces liants organiques qui mènent par la suite à beaucoup de problèmes de dégradation des peintures. Donc c'est ce que vous voyez ici, des décollements des peintures, des dégradations des peintures, des petites zones qui vont se former ici et qui ensuite peuvent entraîner des dégâts extrêmement importants dans certains cas et qu'un certain nombre d'équipes au niveau international cherchent à comprendre. Mais je voudrais finir par en disant quelques mots d'un événement qui a été organisé avec les académies des sciences, en fait avec 20 académies des sciences dans le monde, et qui s'est tenu à Paris en février 2019, qui s'est appelé Rencontre mondiale patrimoine science et technologie, et qui visait à justement montrer à quel point cette science des matériaux anciens est actuelle. Et comme vous le voyez ici, c'est un événement qui, comme ce soir, a attiré beaucoup de monde, 1500 participants, avec à la fois un événement scientifique et un événement grand public et un certain nombre de travaux plus techniques, je dirais. À l'issue, a été signée une déclaration solennelle qui a été, que vous voyez ici. Ici, c'est le président du CNRS en France qui est en train de la signer. Et qui vise notamment à souligner encore une fois à quel point nous avons, et je crois que ça a été dit au début, à travers le patrimoine, quelque chose qui est à la fois extrêmement fertile scientifiquement, mais qui est également un élément de compréhension et d'échange entre nos sociétés, et qui est également probablement un des gisements économiques à travers le tourisme, mais pas uniquement. Et je finirai en montrant un exemple qui reprend un petit peu ce que Dil a montré précédemment. Nous avons en fait, évidemment, en Europe, mais également dans beaucoup de parties du monde, une richesse insoupçonnée derrière ces problématiques patrimoniales. Donc, lors de ces 3 jours, ont été évoqués un certain nombre de points que j'ai listés ici, et je voudrais juste rapidement les indiquer parce que ça montre vraiment l'actualité de ce domaine de recherche. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de trouver des moyens de continuer de développer une recherche interdisciplinaire, comme vous l'avez vu, entre des musées, entre des physiciens, des chimistes, des mathématiciens, des biologistes. Et donc, ce travail interdisciplinaire demande à la fois des outils, des approches, des modalités d'échange. Et le monde du patrimoine est un domaine fertile, en fait, en interdisciplinarité. Vous l'avez vu aussi, il y a tout un aspect de développement de nouvelles méthodes qui est très important. Également du côté des sciences numériques qui aujourd'hui deviennent extrêmement importantes. Et puis des volets autour des matériaux, des procédés, des questions autour des sciences de l'environnement. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais les peintures se dégradent d'autant plus dans certains environnements particuliers.
savoir connaître ces environnements, c'est ce qu'on appelle la conservation préventive. Il y a beaucoup plus d'interactions, évidemment, entre patrimoine et environnement dans beaucoup d'autres domaines. Et puis des questions, comme aujourd'hui, enfin comme ce soir, d'échanges avec à la fois entre professionnels et avec le public. Et le dernier exemple que je voudrais prendre est celui-ci. Alors, vous retrouvez ici le bleu Maya dont vous a parlé ma collègue juste précédemment. Nos matériaux sont vraiment des gisements d'idées pour l'avenir. Vous connaissez les ciments romains, vous en avez autour de vous à Rome. Vous savez peut-être aussi que les Romains ont été capables de mettre en place des installations portuaires qui existent encore aujourd'hui en ciment. C'est absolument incroyable. Nos ciments aujourd'hui, que l'on synthétise aujourd'hui, ont une espérance de vie de 50 ou 60 ans. Les Romains savaient produire des ciments qui existent encore aujourd'hui et qui étaient directement fabriqués en milieu marin. De la même manière, on peut, dans certains matériaux, s'en inspirer complètement, c'est ce que vous voyez ici, pour faire, par exemple, de la fossilisation en laboratoire et avoir ainsi des modes de synthèse qui sont très innovants, parfois en chimie douce, avec des conditions environnementalement tout à fait clémentes, pour synthétiser ici des fibres minérales à partir de fibres organiques, ou comme ça a été montré tout à l'heure, des pigments absolument passionnants, mais qui sont aussi fabriqués à basse température. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui quand on veut chercher à diminuer notre impact environnemental. Et donc, derrière ces matériaux anciens, on voit à la fois des questions de chimie, des questions de propriétés particulièrement intéressantes en termes de couleur, en termes de durabilité, et qui sont évidemment une inspiration pour à la fois nos procédés et nos matériaux d'aujourd'hui et de demain. Et donc, sur ça, je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Allora, vedete come ci sono dei temi che ritornano, no? Di nuovo il tempo e anche l'idea che le opere d'arte siano materia viva e che esattamente come quando noi ci facciamo l'analisi del sangue, dai risultati che derivano si può capire quali sono le malattie che abbiamo avuto, insomma, quello che il nostro corpo ha subito. Ciò accade anche nelle opere d'arte. Ci sono scienziati come il professor Bertrand che li analizzano ad un livello talmente microscopico da aiutarci a ricostruirne la storia. E anche questo mi sembra un tema molto interessante, ma soprattutto interessante capire quanto gli artisti siano stati condizionati dalla chimica dei materiali che avevano a disposizione. E da qui, penso, parta più o meno il professor Adriano Zecchina, che attualmente tra i vari meriti accademici che ha avuto nella sua carriera coordina il dottorato di scienza dei materiali e chimica presso l'Università degli Studi di Torino e soprattutto è autore, uno dei motivi per cui è anche stato invitato, di questo libro per la Zanichelli, Alchimie nell'arte, la chimica e l'evoluzione della pittura. Quindi quanto abbiamo cambiato punto di vista, diciamo, non tanto quanto noi attraverso l'analisi chimica di un'opera, di un oggetto già concluso, possiamo sapere di quell'oggetto, ma quanto della chimica gli artisti sapevano per poi produrre oggetti in un modo o nell'altro. Prego, professore. Se vuole può scendere, come preferisce lei. Penso che ce la faccio. Non mi cada, perché se no... No, è che non voglio cadere. Dunque, premetto che io farò una carrellata di storia... chiamiamola storia dell'arte, cioè come un chimico può vedere l'evoluzione dell'arte. E mi sono posto, in ciò sono favorito del fatto che sono un pittore della domenica, chiamiamo così. E, allora, mi sono posto il problema di dove cominciare e ho pensato di cominciare abbastanza da lontano, per esempio dal fuoco. Torniamo indietro di 800.000 o milioni d'anni, non eravamo neanche sapiens, eravamo probabilmente erectus e per la prima volta per riscaldarci e così via abbiamo fabbricato il primo elemento della storia, un po' impuro, con il quale sicuramente ci si adornava o si faceva paura agli avversari, non so, non ci sono. Questa è un'ipotesi, ovviamente.
non ce la faccio, a cambiare. Ah, così. E naturalmente attorno a questi nostri progenitori c'era un mondo. Ecco, questo è un mondo ricco di ematite, di un prodotto di trasformazione che è l'ocra, poi le piante verdi, e quindi non potevano che non influenzare un, diciamo, i tentativi di, ornamento dei nostri progenitori. Non ce la faccio. Ecco, sappiamo che già l'Homo erectus si ancora 300.000 anni fa, abbiamo le prove, si adornava con le matite che macinava e faceva body painting tranquillamente. Ed era le matite che usava, quella che vedevate rossa nella prima diapositiva, nella diapositiva precedente. Ho difficoltà a cambiare. Ah, ecco, naturalmente arriva, ci trasformiamo in sapiens, cominciamo a lavorare le pietre, fare le lance, cacciamo, estinguiamo specie, i mammut sono stati estinti da noi, tutti i marsupiali grandi, eccetera, eccetera, e nel però a questo punto il nostro sapiens ha ematite, ocra e carbone, fondamentalmente tre. Gli sarebbe piaciuto tanto il verde, ma vedremo che c'è un'avventura sul problema del verde. Vediamo un po'. Sì, io non riesco a cambiare. Ecco. Oh, scusate. Vabbè, facciamo presto. Ah, così. Vedete subito quello che facevano, vedete le Chauvet di 35.000 anni fa, di fatto carbone e ocra. Formidabili naturalmente, oppure di qua così, ah ecco, oppure queste bellissime leonesse in caccia, per esempio, tutto carboncino, no? Dominate da, su fondo naturalmente di roccia. Che diavolo, cosa devo fare? Ah ecco, questo è Altamira, vabbè, qui ci sono varie... vari animali sovrapposti l'uno sull'altro perché hanno dipinto per millenni nella stessa grotta, come in una cattedrale, solo che la cattedrale ci sta 100 anni, lì ci stavano migliaia di anni, evidentemente. Vediamo, ecco, adesso diciamo cosa succede dopo. Attorno a 10.000 anni diventiamo agricoltori, la popolazione è ancora molto bassa, vedete lo schema di aumento della popolazione negli ultimissimi anni, ma la metallurgia comincia all'incirca su 6.000 anni fa, ed è quella del rame. Il rame, il minerale, è la malachite, che vedete al centro, con carbone si trasforma in rame metallico, smacinata dalla malachite pigmento, e diciamo si può formare il blu egizio attraverso una chimica inconsapevole, cioè fatta tutta di esperienza ma senza una conoscenza chimica. Naturalmente è chiaro che ai nostri umani interessava il rame con cui facevano le falci, le armi, eccetera, eccetera. In un secondo momento hanno capito che si poteva anche ottenere dei pigmenti e i sacerdoti, eccetera, eccetera, i pittori li hanno cominciati a utilizzare. Ecco, piombo è un altro, appena dopo. Guardate, il piombo è lì al centro, questo qui è la galena, con questo si facevano le sopracciglia e così via le donne, si va al piombo, dal piombo con una chimica inconsapevole si va alla biacca, dal minio giallo egizio. Una chimica inconsapevole, quella da qui a qui è una chimica bellissima, devo dire, che è ancora difficile da capire adesso come avevano fatto. Comunque, tutta esperienza, poca chimica. Cito ancora il mercurio, perché il mercurio si partiva dal cinabro minerale, che sono questi cristalli, macinato dal cinabro pigmento, che è un rosso un po' sporco, e quello che lasciava impressionato è che se scaldate il cinabro ottenete il mercurio, una roba assolutamente inconcepibile. Potete immaginare, senza conoscenze chimiche, cosa potevano pensare. È la nascita dell'alchimia, la vedete subito, della trasmutazione, no? Evidentemente. Adesso passiamo agli egizi. Gli egizi
è un salto di qualità immenso, questa è la tomba di Hittet, un particolare, quello che interessa è il nero, ecco qui avevano trovato, usato anche il solfato di calcio, e quello che importa, vedete la malachite qui, è l'ossido di ferro, una cosa deliziosa ovviamente, oppure, ecco, questa è citata spesso come, perché è del circa 1300 anni, vedete il blu egizio qui, il nero del carbone, cioè, insomma tutti i pigmenti, è una specie di ematite, ocra, carbone, malachite, tutto quello che c'era è lì dentro, evidentemente. Oppure, scusate, no, adesso è arrivato. Ecco, questa è la tomba di Nefertari, lì, anche qui stupenda, tra l'altro, ci sono tutti i pigmenti conosciuti che vanno dal minio, la malachite, le ematite, il blu egizio, è bellissima, ovviamente, ma questo è frutto della metallurgia, la metallurgia li ha creati, la chimica metallurgica, e i pittori li hanno usati, perché l'uomo sapiens è un uomo pratico, la prima cosa che voleva ovviamente era il rame, il piombo e tutte queste cose qui, no? Procediamo, ecco, sapevano fare anche delle cose stupende con l'oro purissimo e laminabile perfettamente, si ottengono delle lamine sottilissime, qui questo vi dà la possibilità di passare dagli egizi ai greci, questa è la maschera di Tutankhamen e la cosiddetta maschera di Agamennone. Passo avanti, ci sarebbe da commentare tantissimo, ma non fa niente. Passo ai greci, ai romani, diciamo che la cosa più interessante è il rosso pompeiano, questo rosso stupendo che ha acceso molti dibattiti e che però si è rivelato cinabro, ma è un cinabro molto più bello di quello che abbiamo visto macinato, è che i romani avevano trovato un metodo di flottazione, di purificazione, che poi andò assolutamente perso. Facciamo un salto al Medioevo. Nel Medioevo gli arabi fanno una cosa prodigiosa, prendono dello zolfo, del mercurio, lo combinano chimicamente, formano il solfuro di mercurio, il cinabro purissimo, si attribuisce a Geber o Ibn Ayan, eccetera, eccetera. Beh, il cinabro è quello che diventerà il vermiglione, il più bel rosso che sarà mai visto. E a questo punto, arrivo. Col Medioevo cominciano di nuovo la scoperta dell'Oriente con le crociate, i viaggi, eccetera, eccetera, e che si riscopre. Intanto si scopre il lapislazzuli che gli egizi usavano come monili, ma che adesso viene usato come pigmento, poi la lamina d'oro e il vermiglione arabo, diciamo. Questi sono i tre elementi fondamentali che hanno mosso la pittura. E vediamo un esempio. Ecco, prendete Masaccio. Masaccio, vedete la lamina d'oro sul fondo, la veste di lapislazzoli della Madonna, il vermiglione qui, e qui c'è un po' di biacca, e queste sono ocre, come al solito. Qui ci doveva essere un verde che è andato a male. E quello che importa è che se guardate questo quadro qui, ci vedete tutto, ci vedete la storia, perché qui c'è la sapienza degli egizi, gli arabi, insomma c'è la storia dentro in questo quadro, ma come sempre, in tutti i quadri. E naturalmente... Il blu era il lapislazzuli piaceva tantissimo, costava un occhio del cielo più dell'oro, e non a caso la cappella degli Scrovegni, erano dei banchieri, coperta di lapislazzuli. C'è anche l'azzurrite, andrebbe fatta tutta una storia lì dentro, ma comunque passiamo a Botticelli un attimo. Di Botticelli c'è, per quello che riguarda me, che in questo discorso sono questi i capelli in cui Botticelli, per dargli un colore, mescola l'ocra con delle piccolissime particelle o pagliuzze d'oro, che è un trucco che lui ha usato. Naturalmente adesso passiamo al periodo di Leonardo, vi ricordo alcuni disegni del Leonardo che si occupa del corpo umano, che ha bisogno di una,
dimensione tridimensionale, per essere capito nella forma dei suoi organi, arriva la scultura, insomma, e a questo punto vedete la pittura di Leonardo profondamente chiaroscurata, che dà il senso della, della rotondità del volume delle cose. E cos'è che ha permesso tutto questo? È l'olio di lino. La grande innovazione è chimica è l'olio di lino. Prima si usava l'uovo, torro d'ovo e poi alcune altre cose, adesso non, permette di, diciamo, di levigare e di giocare con la luce con molta più potenza. Ma direi che naturalmente l'elemento tecnico fondamentale non è che ci sono colori nuovi, è l'olio di lino. Oh, qui passo a Tiziano velocemente, non è che sia un quadro che a me piace tantissimo, ma è importante perché in questo quadro ci sono tutti i colori della pittura veneta. E perché tanti colori così? Tanti colori, perché a Venezia arrivavano tutti i colori del Medio Oriente, era un grande porto. Il grande colorismo veneto è il colorismo di una potenza marinare commerciale che è dominante, che prendeva, che importava tutti i colori dall'Oriente. Adesso c'erano anche pigmenti di origine organica, la robbia, il kermes, il porpora, che svaniscono un po', ma una volta che si è usato l'olio di lino cominciano a rimanere intrappolate dentro lo strato d'olio. L'indaco, con cui ci si colora ancora adesso i calzoni, come si chiamano quelli, i jeans, ma che schiariscono. Poi è stato mostrato da Odile come incapsulati dentro in una palidoschite, in una zeolite, possono rimanere per sempre, perché quando il colore svanisce, perché è attaccato dall'ossigeno e dalla luce naturalmente. Però ho poco tempo per questo, adesso facciamo una carrellatina, le solite cose, siamo nel 600 oramai, Vermeer, qui a parte la bellezza dei quadri che non commento, questo colore qui è interessante perché è il cosiddetto giallo indiano, che è il sale di magnesio dell'acido eussantico, perché è il primo colore luminescente che sia mai stato utilizzato. Ci sarà tutto un periodo in cui i colori luminescenti verranno usati, ma non ho tempo di illustrare questa parte dell'evoluzione. Con Rembrandt, lo cito qui, no, come tanti altri, per la straordinaria capacità di fare dei ritratti magnifici, psicologicamente importanti. Ho usato Rembrandt perché, non dico che è l'ultimo grande ritrattista, ma sta per succedere una cosa molto importante, ed è che attorno al 1750 nasce la chimica, nascono un numero straordinario di elementi, questa è la tavola periodica, questo è Mendeleev che l'ha scoperta, ma in realtà è l'opera di tantissimi chimici che si trovano di fronte ad una cosa incredibile prima, e naturalmente fanno milioni di composti, alcuni utili, molti apparentemente inutili, ma nel fare tutto questo fanno un numero di colori nuovi che costano poco. E alcuni sono talmente belli che prima non c'erano. Cioè, se Tiziano avesse visto tutti i cromati oppure i verdi che sono stati creati, gli sarebbe venuto un po' un accidente, io penso. Perché tenete presente che sono anche presenti già mescolati con l'olio di lino dentro nei tubi. Quindi non ci sono più le grandi botteghe di una volta, c'è la pittura in aria, in pienaria, come si suol dire, no? E quindi siamo preparati. Naturalmente, a me piace ricordare una cosa che dice Leonardo, dice: dove la natura finisce di produrre le sue specie, tutte le cose che ci sono in giro straordinarie, in armonia con le leggi della natura, l'uomo arriva e crea anche lui qualcosa in addizione, diciamo siamo parte della natura dopo tutto. E così adesso cominciamo a vedere colori che non potevano essere fatti prima, quadri che non potevano essere fatti prima, questo è Pissarro, famosissimi Van Gogh, questi sono tutti cromati, aveva una passione sfrenata per il giallo dei
Qui ci sarebbe tutto un discorso sul fatto che questi qui sono un po' più scuri, che probabilmente è un processo di invecchiamento perché i pigmenti che gli avevano dato non erano buoni del tutto. L'amore del giallo lo vedete qui nel seminatore, non starei lì vedete comunque la materialità della pittura, e questo, la cosiddetta pittura materica, deriva dal fatto che oramai il costo dei colori è alla portata anche di persone non abbienti, mentre prima senza una quantità di investimento non indifferente non si poteva dipingere. Naturalmente, ecco, cito questo di Cézanne, impensabile all'epoca di Leonardo, di Tiziano. Ecco, il verde, questo verde qui, il verde è sempre stato un problema, la malachite c'era, figuratevi. E quello che veniva ottenuto con l'aceto arseniato di rame, che è piuttosto tossico e che probabilmente Cézanne ha contratto dalle malattie che riguardano l'uso di questo pigmento. Adesso sta per succedere, arrivare una bomba, letteralmente, nella storia della pittura e della fotografia. Questa è del 1859, Sara Bernard. Questa qui riproduce le fattezze umane in modo che nessun pittore può immaginare di riprodurre con questo tipo di... la fotografia ha un effetto immediato sulla pittura, anche perché coglie i momenti. Cioè, l'idea di una ballerina, che come una istantanea di Degas, non può essere immaginata senza la fotografia. E naturalmente questo dà un colpo mortale al ritratto. Prima avevamo fatto vedere Rembrandt, quel bellissimo ritratto, ma adesso ci sono le fotografie. Che senso ha fare i ritratti veristici? Sì, sì. E così cominciate a vedere che di ritratti veristici non ce ne sono più, ma non per questo il colore, questi sono tutti colori sintetici, non per questo il colore non gioca un ruolo formidabile, e certamente Toulouse Lautrec non gli importava assolutamente niente di riprodurre tutte le fattezze di queste persone, o allo stesso modo, ecco, Matisse, vedete che cominciamo, anche questi qui non sono gli uomini di Michelangelo, della Cappella Sistina, i colori sono tutti colori sintetici, apparentemente crudi, evidentemente. Vediamo, anche qui, guardate questi ritratti espressionistici, sono una meraviglia, ma non hanno nessuna intenzione di essere realistici, no? Per il colore, anche i colori più improbabili giocano un ruolo formidabile. E poi, ovviamente, anche lì, non si può andare avanti all'infinito come nella scienza, e quindi si va verso l'astrattismo, cioè Klee, Kandinsky, il colore dominante, però ormai non gli importa niente di riprodurre neanche la realtà, no, ma solo la sensazione, almeno sì. Guardate questo di Miró, inimmaginabile, non solo perché è astratto completamente, ma per i colori straordinari che ci sono dentro, che sono tutti di sintesi, tutti di sintesi chimica, adesso consapevole. Prima erano inconsapevoli, facevano le cose in modo basate sull'esperienza, adesso si fanno sulla base della scienza chimica. Vediamo un po', ecco, vabbè, andiamo avanti. Ecco, arriva la chimica organica, prima ci saranno stati 60 pigmenti a disposizione, con la chimica organica sono centinaia, addirittura tutti i colori che avete sulle magliette, sulle automobili, immaginate quanti sono. Pollock dipingeva addirittura con vernice liquida del anacridoni per le automobili, per farvi un esempio. Io non so se è bello o brutto, però certamente l'ho capito solo nell'ambito dell'evoluzione della pittura. Se lo vedete nell'ambito dell'evoluzione della pittura, allora ha un senso, almeno. Vediamo se va... anche questo, qui arriviamo alla contaminazione pura, ormai qui c'è stampa, pittura, fotografia, questo è Andy Warhol,
perché non si poteva rifare le cose vecchie, bisogna fare cose nuove. Questo è famosissimi, evidentemente, e senza la pubblicità, il cinema, i media, nel frattempo è nato il cinema a colori, immaginate cosa è successo, e da ultimo, guardate l'arte digitale. L'arte digitale, invece di usare la luce del sole e i pigmenti che la assorbono, usa direttamente la luce. E ce n'è tantissima, io non ho tempo di fare altro, però tutti voi conoscete chi non ha visto Avatar? Avatar è Pandora che ruota attorno a questo gigantesco... Beh, questa è arte digitale, chi l'ha fatta? È una meraviglia, io direi ce n'è tantissima di roba. Adesso mi ricorda un po' la storia dei lavori scientifici con 100 nomi. Chi è che ha messo a punto i programmi per fare questo lavoro? Non c'è più il pennello, non basta una persona, ci vogliono tante persone, però questo è il mondo. Io finirei qui come conclusione. La conclusione è che non è mai successo, non è mai successo per nessuna arte che sia indipendente dall'evoluzione delle altre discipline, della fisica. Io ho mostrato la chimica, ma può essere la fisica, può essere, ma come volete, insomma, perché l'uomo è l'uomo, è un insieme di cultura di diversa natura. Questo è quanto. Grazie mille. Grazie mille. No, sì, tranquillo. Una bellissima cavalcata, piena di spunti. Abbiamo qualche minuto ancora per una domanda. Vorrei fare una domanda a ciascuno, pregandovi di fare delle risposte brevi. Insomma, volevo chiedere alla professoressa Eisenstein, prima di tutto. Lei ha parlato più volte, diciamo prima, della stabilità del colore nel corso del tempo. Ricordiamo tutti il grandissimo dibattito che ci fu nel 1998 quando venne svelato il giudizio universale dopo il restauro del professor Colalucci, quanto si disse che quello, no, era un colore che lui aveva applicato e non fosse il colore veramente che Michelangelo aveva dipinto su quelle pareti. Ecco, a suo parere, rispetto all'arte del passato, quanto ci possiamo fidare del fatto che i colori che noi vediamo sui dipinti antichi siano effettivamente i colori che vedevano i contemporanei quando quelle opere sono state realizzate? E ovviamente le faccio una domanda che va dagli Egizi fino all'Ottocento. È una curiosità, non posso non farlo a lei, non faccio quella faccia. Je trouve que c'est une question absolument fascinante. Bon, moi, il y a un aspect associé qui me paraît étonnant et qui a été évoqué par presque vous tous. C'est qu'à un moment, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais ils étaient beaucoup à le faire. Et c'est ça que je trouve qui a finalement probablement remplacé ou participé à l'évolution, même en ne connaissant rien. Donc effectivement, tous les bleus dont on a parlé, par exemple, comment ont-ils découvert ce procédé finalement bien défini, puisque un point, c'est qu'il a été reproduit maintenant naturellement en chimie moderne pour vérifier les conditions. Et dans l'article est écrit qu'ils étaient sûrement un très grand nombre de personnes essayant de faire les choses. Donc, on remplaçait la connaissance par l'essai-erreur. Et après, c'était stable ou non, ben je pense qu'on ne se rend pas compte combien de temps les gens ont travaillé sur le problème. Et c'est peut-être au total le fait que on a parlé de plusieurs années pour définir quelque chose, mais il y a peut-être eu 500 ans d'études avant d'arriver à quelque chose, et finalement, peut-être, sans comprendre, ils ont arrivé à quelque chose de relativement reproductible. Donc, je pense qu'on ne soupçonne pas le nombre de personnes qui travaillaient pour essayer de faire quelque chose et de reproduire. Ça peut-être a participé à l'évolution. Maintenant, est-ce que c'est la couleur d'autrefois? Alors là, mes collègues le savent beaucoup mieux que moi, hein, probablement.
Professor Bertano, lei ha una risposta su questo argomento, cioè chi è qui seduto, lo dicevo anche prima, no? Fa anche questo lavoro di andare a spogliare spesso i dipinti degli strati di vernice, di altri elementi che nel corso del tempo, anche elementi organici, che semplicemente la collocazione di un'opera in un luogo, in una stanza, ha applicato sulla superficie pittorica. E quando poi lavora, ad un certo punto arriva ad un livello che sostiene essere quello originale. Quanto è così? Ovviamente massima fiducia nei restauratori che sono qua, ma c'è una curiosità in generale. Poi per lei avevo anche un'altra domanda. Autre question. Alors, effectivement, il y a eu ces dernières années beaucoup de travaux visant à essayer de reproduire, à d'identifier quelle était la couleur intentionnelle originale de l'artiste. Alors on peut penser par exemple, on a quelques pigments qui ont été utilisés massivement, alors, qui ont effectivement mené à des altérations importantes. On peut penser par exemple à un bleu qui n'a pas été évoqué tout à l'heure, mais qui est le smalt. Le smalt, c'est un vert au cobalt. Et ce vert au cobalt de bleu a tendance à passer à rose, en fait, ce qui se traduit par un changement global de la couleur qui va tirer vers une désaturation, donc quelque chose qui va aller vers le gris. Ça, on le voit chez Murillo, par exemple, où effectivement, si on prend les aplats bleus, le problème qui avait été indiqué, en fait, quand on a des pigments instables par le passé, c'est que, comme le disait très bien ma collègue tout à l'heure, c'est qu'on n'avait pas le choix, en fait. Le problème du bleu, comme ça a été indiqué, c'est que les bleus étaient très chers, le lapis lazuli est extrêmement cher, donc utiliser d'autres pigments, on savait qu'ils avaient une durabilité moindre. La preuve en est que quand on regarde les carnets de commandes en fait des peintres, on voit bien qu'il y a un choix précis en fonction de la qualité en fait du pigment. Donc on savait qu'effectivement il fallait faire un choix qui était un choix économique aussi, et on voit effectivement ce problème-là dans des cas du coup très bien identifiés pour gérer la peinture ancienne. Tout commence à changer avec les pigments de synthèse, où on commence à voir effectivement toute cette créativité chimique autour des jaunes de chrome, et là on a de nouveaux problèmes sur des produits qui probablement n'ont pas fait l'épreuve du temps et du test, en fait. Et donc il faut, je pense, séparer ces deux volets. Donc dans un premier temps, un choix en fait qui est essentiellement de nature économique. Pour pouvoir réaliser l'œuvre, on est obligé, on peut pas tout faire en lapis lazuli, donc on prend un risque. Et puis de l'autre côté, effectivement, des formulations qui montrent une certaine instabilité. Il faut rajouter que ce que montrent les travaux récents, c'est que dans certains cas, des petites différences, c'est ce que je montrais sur l'oxyde de zinc, probablement des petites différences au niveau de la fabrication peuvent changer complètement la réactivité. C'est des problèmes notamment liés à la surface de ces petits grains de pigments ou à la forme, la façon dont dont ces petits cristaux ont cru, et qui du coup vont faire que on a parfois des vraies difficultés à contrôler la tenue au temps de certains pigments. Volevo aggiungere un'altra domanda. Quanto la reattività dei materiali sia determinante al nostro modo di vedere, di comprendere, di apprezzare l'arte, per esempio, faccio un caso eclatante, è per esempio il caso delle sculture antiche che noi vediamo bianche, ma che bianche non erano. Non solo noi le vediamo bianche, ma tutta la scultura successiva, quindi quella rinascimentale, ha preso a modello questo fatto, che fossero bianche, quindi poi Bernini, Michelangelo, insomma, le hanno fatte bianche di proposito. Chissà cosa avrebbero fatto se avessero saputo che in realtà erano colorate, chissà come sarebbe evoluta la scultura in un modo diverso. Allora io quello che volevo chiederle è questo, le è mai capitato di riscrivere la storia di un oggetto grazie a una scoperta chimica che ha fatto?
Alors, si je tout à l'heure, je parlais du bleu de Smalt avec les tableaux de Murillo en termes d'interprétation. Si vous avez, comme c'est le cas dans un tableau qui présente les trois grâces et où on voit un ciel qui est totalement gris, il avait été effectivement interprété par l'histoire de l'art comme étant un paysage dramatisant. Et en fait, toutes les études qui ont été menées, c'est un tableau qui est conservé, enfin, il y a plusieurs tableaux qui ont été étudiés au Louvre et à la National Gallery à Londres, et on s'est rendu compte en fait qu'on avait un bleu éclatant. Donc effectivement, on est parfois très trompé par l'apparence actuelle des œuvres. C'est tout à fait vrai pour les états de surface des sculptures. La corrosion va faire disparaître à la fois la brillance initiale du métal, mais également les patines qui ont pu être appliquées. Encore plus, dans certains cas, on a beaucoup d'exemples finalement de sculptures métalliques peintes aussi, et ces peintures ont disparu. Donc effectivement, vous-même en tant que public et les spécialistes doivent faire extrêmement attention dans l'interprétation de l'apparence actuelle de l'œuvre. C'est bien sûr de toute manière quelque chose d'extrêmement compliqué parce que l'histoire même de la perception, enfin, notre cerveau, ça n'est pas juste un appareil qui prend une image et qui du coup interprète directement, il y a le passage par le cerveau. Et de toute manière, ce passage par le cerveau mélange complètement une impression visuelle avec une expérience à la fois personnelle, des éléments sociaux. Donc on est toujours en train de mélanger finalement des choses qui sont, comme disent les anthropologues aujourd'hui, des choses humaines et des choses non humaines en quelque sorte. Merci. Oui, je crois que l'un des exemples les plus connus, mais peut-être mes collègues me diront que ce n'est plus vrai, c'est la fameuse ronde de nuit. La ronde de nuit de Rembrandt est en fait, à ma connaissance, alors c'est l'évolution c'est pas un pigment qui a évolué, c'est ils utilisaient un liant, je crois, hein, qui était à base de goudron, un genre de goudron. Hein. Et ce goudron a très mal vécu, très mal évolué. Et la fameuse ronde de nuit de Rembrandt n'a jamais été une ronde de nuit. Elle est devenue effectivement très sombre et elle paraît être une nuit et c'est une ronde de jour. Donc c'est l'évolution dramatique, et donc comme disaient mes collègues, une réinterprétation. Nous n'avons qu'un problème, c'est la nuit qu'on fait des rondes. Eh ben non, on faisait aussi des rondes de jour, et c'est le tableau, et donc il faut complètement le voir autrement. C'était une compagnie militaire qui faisait ses rondes, et ce n'est pas du tout une ronde de nuit. Très intéressant, merci beaucoup. Professore, ultima domanda, perché poi... non è vero che ci cacciano, ma insomma, avevamo così concordato. Abbiamo capito che ad un certo punto la chimica ha veramente creato una rivoluzione, cioè da quando è diventato consapevole la realizzazione dei colori, l'arte ha fatto un salto di qualità. E, insomma, comunque, gli artisti hanno avuto molta più opportunità. Lei ha solo accennato, però sinceramente le chiederei un altro commento su questo. Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro? Cioè andremo più verso il lavoro di Anish Kapoor, che è comunque a che vedere con la materia che crea la virtualità del buio, o invece non sarà più la materia e quindi non sarà più la chimica a darci il colore, l'arte, la forma, ma sarà soltanto il digitale. Cioè, non avrete più lavoro voi in futuro, o ce ne avrete ancora? A saperlo, ma comunque, quello che posso dire è questo, che non l'ho fatto vedere, ma da un certo punto in poi, per esempio con Lucio Fontana e così via, hanno cominciato a usare i tubi al neon di vario colore, per esempio, e questa è già stata una linea, la quale luce, sì, è luce, ma bisogna generarla con delle sostanze stimolate che richiedono la sintesi di chimica dei materiali, non è che si fanno miracoli. Penso che la luce stia dominando, è talmente dominante la luce che adesso è normale vedere i monumenti illuminati con grandi luci di ogni tipo, ma da dove crediamo che sia venuta questa idea? Tarrell già, ma nella seconda
appena dopo la seconda guerra mondiale avevano già fatto, ma Fontana aveva già immaginato cose di questo genere, e questa è già tutta una linea. E poi l'altra linea è materiali, sempre di più un quadro non è più un quadro. Pollock era interessante perché non è più un quadro dipinto col pennello. Quindi si fa magari un quadro più del materiale metallico. C'è un pittore, accidenti, me lo sono dimenticato, c'è un pittore che usa lastre di metallo con vetrini sopra, ma c'è di tutto. Non lo so. Interessa ancora così tanto la materia? Certo che, per esempio, per quanto riguarda l'arte digitale, io credo che sia terminata l'idea che ci sia un pittore singolo. Perché ci vogliono dei programmi formidabili per tante competenze. Esattamente. Noi non l'apprezziamo più tanto, ma quell'arte lì è di un iperrealismo. Potete fare delle cose grandiose. Per esempio, ma ci aveva già pensato Stanley Kubrick col cinema, quando lui aveva fatto che c'era quell'oggetto nero, vi ricordate? Odissea 2001, Odissea nello spazio. La fantasia non finisce mai, non lo so. E la fantasia guida anche la chimica, probabilmente, no? Perché in fondo vi dovete sempre inventare dei materiali nuovi, mescolando, associando, insomma, gli ingredienti, un po' come facevano gli alchimisti del 600. La tavola periodica è come una scacchiera, è come bello, l'alfabeto, mescolate insieme, basta averci la testa e la fantasia. Questo avviene in tutti i sistemi. E abbiamo quindi scoperto questa sera che anche i chimici sono artisti. L'aveva detto in realtà all'inizio la professoressa, proprio all'inizio del suo intervento. Io non credo che ci sia tempo per delle domande. Se ce n'è una, ma proprio una, proprio perché siamo buoni, non ci sono. E allora io vi ringrazio e ringrazio... vuole aggiungere una cosa al professore. Prego, prego, professore. Prego. Quando ho pubblicato questo libretto, lo do a Zanichelli e dice: la chimica è l'arte. E dice: no, la chimica no, perché la chimica non lo compra nessuno. Allora si è chiamato l'alchimia nell'arte. Ecco, no, giusto per dirti che ci sono tutta e una serie... Invece eravamo in tanti qui, interessati proprio per la chimica. Bene, questo ci fa piacere. Bene, allora ringraziamo l'ambasciata di Francia che c'ha a Roma, che ci ha ospitato, l'Institut Français Italia che ha organizzato questo e le accademie delle scienze del Lincei che hanno promosso. Grazie ancora. Non so se c'è un altro appuntamento già programmato che dobbiamo dare, ma insomma, altrimenti informatevi sul sito dell'ambasciata, lo troverete. Grazie ancora e buona serata, e grazie a voi.